Ah mais... Bon, encore tu tires en semi, ça va, mais... Mais un full comme ça, c'est, je te le dis. Oh merde. À un moment, j'ai tiré au FAMAS en full, mec, déjà, qu'une crosse, c'est ingérable. On a une fois, l'instructeur qui nous dit, allez-y, tirez en full pour voir. Et mec, c'est impressionnant, genre, en fait, ton arme, tu sais, ça fait comme dans les films, genre... Tu sais, elle part vers le haut. Ah oui, le recul, hein. Le recul, ouais, Toto, on appelle ça, bordel de merde. Hein? Le recul, bordel, Toto, on appelle. Oui, impressionnant, ouais. Alors une arme comme ça, sans crosse, imagine IRL. Petit con, va. Hein. Ouais. Une chance. Il a même pas de crosse, regardez. Oh, je l'ai pas vu. Assistance de mes couilles. Ah, regarde, je vais te montrer. Alors voilà, ça c'est... en rouge, c'est les avions espions. Alors, comment je fais, là? Voilà, raté. Comment je fais, là? Voilà, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible, gros. C'est... Je sais pas comment faire, franchement. Pas que les avions espions, tu peux buter d'autres. Hein. Ouais, d'autres, ouais. D'autres, même, si tu veux faire. Après, elle part droit à la roquette, non? Bah, je sais pas. Enfin, ouais, mais bon, il y a un temps quand même. Tant mais je me rappelle, genre MW2, ou je sais pas, d'autres jeux. Prenez le RPG, la roquette elle partait n'importe où, alors imagine le RPG. Ouais, non, il y a l'RPG qu'il faudra que je monte aussi. Voilà. Adieu, le petit drone. Ça, c'est vraiment chiant, quoi, putain. Trop cheaté la seringue. The fuck! Ouais. Ah bah t'es un temps, on va retenter. Putain, mais. As-tu regardé Camelotte, Thomas? Mais c'est impossible, sa mère! Calme-couille. Non, je n'ai point regardé Toto. Ah ok, quoi. Choc. Je veux détruire des petits avions espions. Oh, il y a ça aussi là. Mais c'est, il est bien trop loin. Là. Là, il y a plein d'avions espions. Oh là là, mon dieu, mais... Et je dois en faire je sais pas combien. Putain, mais je tire bien avant, là. J'en ai que deux, je peux pas recharger. La seule façon de recharger mon truc, c'est de mourir. Du coup, toi qui serais sur la nuit. Non, là, j'ai vraiment perdu le duel, mais... Ah. Oui. Ça c'est drone. C'est abusé, t'as vu à quelle part la pièce à quelle part la roquette. Ouais, mais t'as bien vu pour les avions espions, c'est impossible. Hein. Ah, c'est surchité, mec, ça part. C'est ouais. Quoi ça, c'est quoi ce gros avion là hein? Ça c'est un arrière quoi, en gros. Dans ce jeu, ils appellent ça Vitol. La Vitol, quoi. Vitol. Regarde le petit tank là, voilà le petit tank là. D'ailleurs, c'est un ennemi, non, le petit Vitol. Ouais, exact. Fume-le! Mais j'ai plus de roquettes, j'ai utilisé les deux pour les drones là. Ouais, mais c'est abusé, la vitesse de la roquette c'est 10 000 km/h. Moi ouais, j'avoue, ça a un peu l'impression que ça donne. Mais... Quel jeu étrange. C'est bon, je suis un atout spécialiste.
Et merde. La belle journée démarre, Toto. Jusqu'à que je crève comme ça, là. Tu devais être le meilleur nuker. Tu vois, sans cross, se démerde très bien. Ouais, j'avoue, là, c'était chaud. Ma longue distance, laisse tomber le recul. Hein. Regarde, hop là. Ah, c'est trop chaud. Ouais, c'est toute la chance n'est pas éternelle. C'est bien connu. Ah, c'est-à-dire que le prochain duel, je meurs. Je suis prêt à applaudir. Bonjour. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Hop, hop, hop. Quelle belle journée. Y'a un mec qui me vise là, ça me saoule. Oh là là, on voit rien y voir maintenant. Ouais, 20 kills, attention, attention, attention. Mais que je me marre un peu. Je regarde. Ils ont tous les points. Il est là, lui, il est là, lui. Là. Faut faire un nuke avec mon ami sifflé. Sauf que là, je mets trop de temps à la faire, ça m'énerve. J'aime pas les faire longuement, là. Ça m'énerve. Tu vois, ça, c'était typiquement de la chatte du débutant. Ça aussi, c'est la chatte du débutant. Ça aussi, ça aussi. Waouh! Et lui, il m'a pas vu. Allez, encore deux, Toto. T'en restes qu'un, là? Ouais, là, il m'en reste qu'un, là. Et là, tu prends une grenade. Et la Newcastle, la Newcastle. Et merde! Est-ce qu'elle était belle? Elle était dégueulasse du cul. T'es d'accord? Tu sais, mon record c'est 44. J'ai quand même essayé de le battre. Le mec, c'est pas possible. Eh ben non! Tant pis. C'est pas possible de taper des nukes là comme ça une fois sur deux. C'est pas ça. Ouais, après c'est un peu de la chatasse quand même. Il y a beaucoup de chatasse. Hein. Oh, mais bon, c'est tout. Cool. Restons humbles, con, restons humbles. C'est-à-dire que là, peu importe ce qui se passe. Je fais gagner mon équipe. Et y'a rien de mieux. Y'a rien de mieux. Le mec a fait quoi, tu sais, t'es du 10-0, non, mais y'a un peu de chance, voilà. C'est ça. Toujours des gens, c'est trop humble, limite. Bon. Alors, c'est la fausse. La fausse humilité. Oh merde, il m'a cramé, Toto. Yes. Non, mais t'avais la vitesse, non, mais c'est n'importe quoi. Et pourtant, quand j'use les drones de. Les yeux, ils vivent, là, mais. Putain de pute. Tu vois Toto, ça c'est un fantôme, c'est-à-dire qu'on peut pas le voir avec un radar, avec un UAV con. Ça c'est la plus grosse phobie des mecs, des fils de pute comme moi qui essayent de faire des nukes. Donc à 240 j'arrête. Enfin j'envoie la petite nuke. Le viseur thermique, quand même.
Oh ouais, tu peux pas être plus one-shoté que ça. Ah mais c'est normal, putain. Vite, vite. Et là, comment tu veux faire taper des avions quand tu vois rien? Voilà. Tu peux pas. Ça me saoule! Moi j'ai un fou, j'ai terminé la partie. Ouais, je vais pas tarder. Hein. Et parfois j'oublie presque, enfin, ça m'est jamais arrivé d'en oublier une. Allez, je suis parti au paradis, Toto. 1, 2, 3, mort. Voilà, ils m'ont cassé les couilles, c'est bon. Vite, vite, ça va spawn, putain. Mais vite. Ah, dans votre mouille. Oh là là. Putain, mais. Mais non, même pas trop, quoi, putain. Heureusement que j'ai envoyé la nuke parce que y a un mec qui fait vraiment un score de ouf là, dans l'équipe. Vous avez le double. J'ai rejoint la partie en cours quand même. Et voilà. J'aimerais bien voir ton score, c'est quoi? Bon, ça doit être 71, un truc comme ça. Je suis mort plein de fois à la fin. Attends, ça va s'afficher après. Et voilà, 128 à 150, qui c'est qui gagne? Nous. Ouais, 71-13. Là, 73-9. Et lui, apparemment, a joué sans killstreak. Il a pas débloqué la nuque.